Bah, ça va très bien, nouveau coach, nouveau staff, l'équipe, le groupe est très, très homogène, tout le monde se parle, tout le monde se donne des conseils, les anciens aux plus jeunes et les plus jeunes aux plus anciens. Après, c'est vrai, j'ai été sur le banc au début de saison parce que j'ai raté 2 ou 3 semaines de la préparation, j'avais une blessure à l'adducteur. C'est vrai que c'est pas facile de digérer une saison comme je l'ai faite l'année dernière, même si elle aurait pu être mieux. Et voilà, après, faut toujours confirmer l'année d'après pour ne pas décevoir les gens qui croyaient en moi. J'avais promis à mon entraîneur en CFA que mon but c'était de signer mon premier contrat pro à Bordeaux et de faire 2 voire 3 saisons ici pour pouvoir exploser et aller dans un plus grand club. C'est un choix du cœur, c'était le premier choix qui m'est venu à l'esprit. Et après, il y a une histoire derrière tout ça, on va pas se le cacher. Et je pense que ça fait honneur à mes parents et à ma famille très proche d'avoir choisi le pays d'enfance de mes parents. Et quand j'étais à Tours, quand j'avais 14 ans, je voyais Riyad Mahrez venir avec Le Havre jouer en Ligue 2 contre Tours, où je jouais pendant toute mon enfance. Et déjà à cette époque-là, je voyais que c'était un phénomène. Et là maintenant, me dire que j'ai signé dans le pays où lui-même il joue, je pense que ça me fera un très grand plaisir et j'aimerais bien débuter avec lui pour un match pour voir ce que ça donne. Moi, franchement, c'est une bonne comparaison. Je vais pas nier. Après, je pense que Atem est un joueur d'un autre calibre. Il a déjà connu des sélections nationales, notamment avec l'équipe de France. Il a joué dans de bons clubs. Il a fait, à part à Lyon, c'est là où il a explosé. Après, Newcastle, on n'a plus trop entendu parler de lui. Comme beaucoup de jeunes en ce moment, on est des joueurs d'instinct. C'est sur le terrain que ça se passe. Quand j'ai le ballon, je vais pas penser avant le match à si j'ai le ballon, qu'est-ce que je vais faire. C'est sur le moment même. Après, oui, c'est les dribbles, la vitesse, apporter de la percussion, faire défendre un contre un et marquer des buts et faire des passes décisives. Et j'espère que c'est ce qui m'arrivera le plus cette année.